suis-je? Regardez mon horrible visage. Il faut changer ça. J'ai juste besoin de tout retirer. Il faut d'abord étirer un peu le cou. Je ne peux pas ressembler à ça. Heureusement que je suis la Barbie exterminatrice de boutons. Je vais me débarrasser de vous tous. Vous verrez. Il est temps d'épiler les sourcils. Je veux ressembler à une actrice. Et voilà, c'est super beau. Hé, mes yeux ne sont pas verts. Cela va beaucoup mieux maintenant. Et pour le grand final, ce masque facial fera l'affaire. Le rose est ma couleur préférée. Il faut tout peindre. Et maintenant, on peut tout enlever. C'est déjà tout autre chose. Voilà qui est mieux. Mes cheveux sont vraiment affreux. Le blond été est définitivement ma couleur. J'ai entendu dire que la frange était de nouveau à la mode. Je vais certainement remporter un Oscar pour avoir été aussi belle. Ces épingles à cheveux sont mignonnes. Voyons si cela a fonctionné. Je suis à nouveau moi. Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi. J'ai besoin d'un encart. Génial, une poubelle. Qu'est-ce que c'est? J'ai faim! Ça chatouille! Attends, je ne te fais pas peur? Je m'en vais. Au revoir, ami parisien. Non, ma robe! J'ai besoin d'une nouvelle jupe. D'accord, je vais me servir de ça. Il manque cependant quelque chose. Oui, c'est tout à fait ça. Avec suffisamment de ces produits, je peux faire une jupe et faire la couverture d'un magazine de mode. Je suis prête pour faire la fête. Je peux même danser avec. C'est une Barbie bizarre? Pourquoi est-elle si belle? J'ai l'impression que quelque chose cloche. Je sais ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas froid, Barbie? Ne t'inquiète pas, ce manteau est super serré. Je veux dire chaud. Non, je ne peux pas bouger. Mais je peux faire ceci. Oui, je suis à nouveau libre. On devrait m'appeler Miss Indépendance. C'est moi ou est-ce qu'il fait vraiment chaud ici? Qu'est-ce que c'est? Du pain? Pourquoi il ne pourrait pas pleuvoir des licornes pour une fois? Elle mange comme un vrai cochon. La pluie de pain n'est pas si mal finalement. Je ferai n'importe quoi pour avoir un sandwich là, tout de suite. Ça fera l'affaire. Miam, du bon fromage. Lâche-moi, petit rongeur. Mon précieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Pressez-le avec conviction. J'en veux encore, 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 encore. C'est de cela que je parle. Et maintenant, un peu de couleur. Quelque chose de rouge, quelque chose de bleu. Faites-moi confiance sur ce coup-là. Vous ne le regretterez pas. Barbie ne mange que de jolies choses. J'adore les repas en forme de cœur. Nous n'avons pas besoin de cela. Ensuite, c'est le tour du fromage grillé. C'est trop mignon. Ouvrons-le! C'est le meilleur moment de l'émission. Je vous avais dit que ça valait le coup. C'est l'heure du repas. Je le suis rassasié. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu une autre Barbie boire ça. Préparons un chocolat chaud. Je crois que j'ai besoin de lait et... de cacao, bien sûr. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais une main normale. Je crois savoir ce dont j'ai besoin. C'est là, quelque part. Pas un rat. Un sifflet? Non! Un masque de plongée. Oui, c'est ça. 20 000 lieues sous les mers. Waouh! Une boîte à trésors! Je savais qu'il était là quelque part. Un gobelet mélangeur, c'est ce qu'il me faut. Est-ce qu'il y a le mode d'emploi qui va avec? J'espère que j'arriverai à faire fonctionner ce truc. Je n'ai rien renversé. Et c'est parti. Ça marche? J'ai des vertiges. Buvons-le. C'est tellement bon. Cela n'était pas censé se produire. Maintenant, il faut que je nettoie tout ce bazar. Comment est-ce que je vais nettoyer ça? Il va me falloir une nouvelle paire. Celles-ci ne vont pas ensemble. Pas de jaune avec mon teint. Je ne vous perdrai plus jamais.
Elle s'accorde parfaitement avec ma tenue. Rendons-les encore plus amusantes. Maintenant, on dirait de vraies sœurs. Il leur faut des mains. Je sais comment faire. Six petits aimants feront l'affaire. Fabriquons une chevelure aimantée. Vous avez l'air en pleine forme maintenant. Salut, petite sœur. Hey, salut, beauté. Donne-moi ta main. Tu m'as manqué. Et si on faisait la fête? Youpi, génial. Barbie, attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc sous ma chaussure? J'ai une idée. Faisons un peu d'art. Passez un coup de pinceau avec une belle peinture bleue ici. Assurez-vous de tout recouvrir. Il faut que ça colle. Alors, ne soyez pas timide. Roulez sur toutes les paillettes que vous possédez. Cela va être génial. C'est un macaron à paillettes. Pour vos chaussures. Et encore un autre, et encore un autre. Elles ont l'air tellement plus cool maintenant. Et je suis prête pour le défilé. Un pompon pour la touche finale. Je veux dire des tas de pompons. Ne sont-ils pas merveilleux? J'adore. Je sais que les paparazzis vont adorer. Faisons une promenade pour voir. Barbie, montre-leur de quoi tu es capable. Tu déchires, ma fille. Au secours! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait, cette étrange fille? Cassie sait que c'est que ce bazar. J'ai toujours voulu en avoir une. Il s'agit d'une édition limitée. Viens ici, jolie Barbie. On va jouer. Je veux aussi une maison comme celle-là. Et je vais en fabriquer une. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. C'est tout. Ce n'est pas très difficile à couper. Les Barbies savent aussi scier. J'adore les zigzags. Ça a l'air bien. Et si je m'allongeais? Et que je faisais un burrito de Barbie? Je plaisante. C'est l'un des piliers de la nouvelle maison. Quelle est la prochaine étape sur la liste? Vérifions le plan. Oups! Même un génie ne pourrait pas comprendre cela. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Il est juste dit d'utiliser un peu de magie. Je pense que j'ai besoin d'une porte d'entrée. Pouf, pouf! Qui aurait cru que la construction était si amusante? Est-ce que je dois défaire de mes cheveux comme réponse? Y a-t-il un beau prince quelque part? J'adore ma nouvelle maison. Il faut juste y apporter quelques modifications. Et voilà! Et un drapeau rose. Non, je ne peux pas atteindre le sommet. Heureusement que j'ai des bras amovibles. J'ai l'impression d'être Superman. Cela semble parfait. Encore un ici. Et voilà, tout est en ordre. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Bienvenue dans mon humble demeure. Je me sens comme une reine. Chaque reine a besoin de ses flamants roses, bien sûr. Tout semble parfait d'ici au royaume de Barbie. Je dois changer ça. Tout d'abord, vous aurez besoin de l'un de ces rouleaux. Remplissez-le de paillettes. Et voilà. Et maintenant, la magie peut commencer. Pulvériser des paillettes dans tous les coins. Je veux voir des paillettes partout. Je pense que j'ai fait du bon travail. Nous pouvons la rendre encore plus belle. Faisons de la peinture. Je vais commencer par mettre un petit peu de bleu. Ma maison a besoin d'un toit. Puis, je vais faire une petite étoile jaune. Que diriez-vous d'une médaille d'honneur? Ça va être génial. Il a l'air magique, n'est-ce pas? Je vous avais bien dit que je savais quoi faire. Tout est terminé. C'est magnifique. Non, il ne peut pas pleuvoir ici. Qu'est-ce qu'il se passe? Il pleut? Cette humaine est vraiment maladroite. Il ne faut surtout pas que je me mouille les cheveux. Ceci devrait fonctionner. J'ai une idée. J'espère que ce truc va fonctionner. Voilà, fini la pluie à l'intérieur. Pas mal. Je sais. J'ai besoin de lumière là-dedans. Petite étoile scintillante. Elle sera ainsi aussi brillante que les étoiles. Vous voyez? Je vous l'avais bien dit. Je peux voir la Voie lactée d'ici. J'adore dormir à la belle étoile. C'est très beau. Cela me donne envie de dormir. Je pense que j'ai trop travaillé aujourd'hui. J'ai besoin d'un oreiller. Cela pourrait peut-être fonctionner. Ce n'est pas confortable. Non! Je dois mettre quelque chose de moelleux à l'intérieur.
Je peux peut-être atteindre l'extérieur. Allez! Je dois me balancer plus fort! Une chaussette toute douce. Je suis prête à sortir. Où est ma deuxième chaussette? Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour ce soir. Je vais enfin pouvoir faire une bonne nuit. J'ai envie qu'il soit encore plus joli. Je mérite ce qu'il y a de mieux, enfin. Il a l'air tellement mignon. Et voilà mon pote. Enfin, c'est l'heure de mon sommeil réparateur. Fais de beaux rêves, Barbie. C'est ma chance d'entrer dans le château. Elle n'a pas de gardien. Je vise directement l'or. Dors bien, Barbie. Pourquoi l'alarme s'est déclenchée? Oh ouais. Et y a-t-il quelqu'un? Non, je me suis fait prendre. À l'aide! Qui pourrait me protéger? Je sais. Je pense que ça devrait fonctionner. Il faut que je fasse un crabe plus gros. De cette façon, le petit gars aura peur. Et des élastiques. Mais il ne peut pas rester là comme un épouvantail. Cela le fera bouger aussi. C'est presque prêt. Ça va aller, petit crabe. Maintenant, tu vas me protéger. Et c'est parti! Tu dois aller là-bas et battre ce type. Je te confie ma vie. Viens ici, petit crabe bon marché. Vas-y. Approche, mon pote. Allez, Krabby, tu peux le faire. Tu ne peux rien contre moi. Non, Krabby. J'ai gagné, Barbie. Tout m'appartient à présent. Tu as voulu jouer, tu as perdu, ma grande. Qu'est-ce que c'est? Enceinte. Mon oreiller. Bien sûr, nous devons procéder à une intervention chirurgicale. Bien, je dois voir à l'intérieur. Préparons-la pour l'opération. Commençons! Je te promets que tu ne sentiras rien. J'ai des doigts de fée. J'ai appris cela à l'école des Barbie. Ma vie est entre tes mains, Barbie. Tiens bon! Merci, Crabbe. Je pense que nous sommes prêts. Enlevons ça. C'est un garçon. Félicitations. Attendez un peu. Il est tellement beau. Est-ce que c'est mon prince charmant? Arrête de rougir, Barbie. Bonjour, Barbie. Tu veux bien m'embrasser? Tu veux que je t'embrasse? D'accord. Finalement, j'aime bien ta façon d'embrasser. Tu n'es pas mon genre. Tu peux embrasser le crabe. Burr, qu'est-ce qu'il bave? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux pas me mettre à la porte. C'est ma maison. Oh, une autre boîte. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle maison. Cette boîte a l'air confortable. Ma nouvelle maison. Oh non! Où est mon téléphone? Oh, c'est une poupée! Pauvre fille, tu n'as pas de maison et tu es toute seule. Je vais te ramener chez moi. Ah, je vais m'occuper de toi. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Voici donc ma maison. Elle est propre, elle est bien rangée, elle est... C'est une blague? Désolée, je sais comment on peut arranger ça. Il suffit d'un peu de dentifrice. Oh madame, mais j'ai du mal à respirer comme ça. Je vais utiliser la brosse à dents de ma sœur pour cela. J'espère que ça ne la dérangera pas. Oui, j'espère que ce n'est pas ton papier toilette. Tu vois ça? Oh, ton visage est si propre! Oui, mais à quel prix? Mais tes cheveux, c'est l'heure du bain! Waouh! Tu aurais pu commencer par m'offrir un dîner! Faisons de la pluie! Yeah! C'est assez amusant, je l'admets! Eh bien, comment tu trouves ça maintenant? Je n'ai pas pris un tel bain depuis l'été 62! Oh
mon Dieu, es-tu au moins certifiée pour faire ça? Doigts croisés. C'est presque fait. Oh, on fait la coupe de cheveux Britney 2007. Je vois. Voyons voir de quoi j'ai l'air maintenant. Ok, ma fille. J'ai un sérieux mal de tête pendant des jours, mais il s'est soudainement arrêté. Je me demande pourquoi. Ma mère m'a toujours dit, tu as une tête sur les épaules et tu devrais réfléchir par toi-même. Eh bien, maman, laisse-moi couper cette partie. Maintenant, nous avons presque terminé. Waouh ! Je pense que je peux faire tourner quelques têtes maintenant. Photographe après la vidéo. Attendez pour l'instant, les gars. Il fait trop chaud. Oh. Désolée pour ça. Maintenant, c'est mieux. Ne regardez pas les enfants. Ma fille, tu as besoin d'une nouvelle tenue. Qu'est-ce que tu as en tête, génie du mal? On peut dire que cette tenue tira comme un gant. Je vais dévoiler mes talents. Mais tu dois admettre que ça a l'air radieux. Oui, ça marche. Je suppose que oui. Ah, chérie, tu as besoin de chaussures? Je peux avoir celle du DIY Jordan, s'il te plaît? Parfois, j'ai l'impression d'entendre la poupée me parler, je vous jure. C'est parce que je suis... Ah, peu importe. Je vais te faire des bottes avec du vernis à ongles. C'est exactement comme le fait la dame des ongles. Il ne nous reste plus qu'à attendre un peu. J'aime beaucoup. Attention à cette partie, elle est tranchante. C'est de la précision chirurgicale. J'espère que ce craquement n'est pas ma jambe. Oh, j'ai réussi! Es-tu prête à être bénie par Mère Nature? Ces chaussures sont comme un jardin en fleurs. Tu es vraiment une hippie! Regardez-moi ça! Je suis tellement heureuse! Je me sens comme une reine dans ces chaussures! Oh, ma fille, tu n'es pas prête pour les talons. Yeah! Je suis tellement excitée à ce sujet. Faisons entrer ces calories. Les Barbies ont besoin de nourriture aussi. Oh, désolée. Je ne mords pas plus que je ne peux mâcher. Oh, ma fille, c'est trop gros pour toi. Oh, mais j'ai une idée. Regarde ça. Une version miniature de tout ce dont tu as besoin dans une vraie cuisine. Maintenant, préparons la nourriture pour le four. Tu n'avais jamais utilisé une paille de cette façon avant, n'est-ce pas? J'en suis sûre. N'est-ce pas la saucisse la plus mignonne et la plus petite de tous les temps? Gordon Ramsay me donnera une médaille pour ça. Maintenant, servons-les dans une petite assiette, bien sûr. C'est mignon. Prenons une goutte d'œuf. Je n'en reviens pas de voir à quel point tout est petit. N'oublions pas non plus les jaunes d'œufs. On dirait un vrai œuf maintenant. Je me demande si l'homme fourmi aimerait venir manger un morceau lui aussi. Il est temps de fêter ça avec de la sauce. Ah, oh, tu en veux? En fait, pas vraiment, mais merci quand même. Y a pas de quoi. C'est que je suis végétarienne. J'ai retrouvé quelque chose d'effrayant. L'incroyable famille Kardashian pourrait faire la fête. Ouais, je te sens plus tard, Sorette. Oups. Mes yeux, c'est trop lumineux maintenant. Ma fille, tu as besoin de ta propre maison. Ok, donne-moi l'argent pour ça. Eh bien, commençons. Un montage de moi en tant que super maître du bricolage. Je ne les porterai plus jamais. Mais cette boîte en carton est un trésor. Ciao. Oui. Et voici les meubles dont nous aurons besoin. Je vais maintenant utiliser mon pistolet à colle. J'ai toujours ce pistolet à colle sur moi. On ne sait jamais. Maintenant, appuie là-dessus. Regarde, maman, je passe à la télé. Aujourd'hui, c'est le jour de la mise en service de cette maison. Tu ne seras jamais méchante si tu te mets au vert. Ce n'est pas du tout un dicton, mais faisons avec. Merci, Candy. Excellent travail. Cela me donne envie de prendre la taille d'une poupée pour pouvoir vivre ici. Oh, juste quelques finitions. Oh. Un mini-dressing pour tes affaires roses, chérie. Elle aime le rose, n'est-ce pas? En quelque sorte. Ah, parfait. Oh, il y a un intrus dans la maison. Oh, Candy, qu'est-ce que tu as fait? En fait, je voulais aider le processus de douleur et j'ai utilisé les escaliers comme prévu. C'est un crime? C'est bon, Candy. Passons à autre chose. Ce
Ce salon a l'air plus que vivant. Tu sais que j'adore ces trucs colorés, n'est-ce pas? Remplis cette baignoire. Ne sois pas timide. Tu es sûrement une architecte et une décoratrice d'intérieur talentueuse. Je te l'accorde. Ah, maintenant, tu peux dormir dans ta chambre. Ah, exactement comme ça. Es-tu prête pour le pique-nique? Non, je veux un sac pour emballer mes affaires. Ah, juste une seconde. Je vais te préparer quelque chose qui te plaira beaucoup. Une fois de plus, il faut se méfier. Tu ne veux pas voir de doigts blessés. Il s'avère que l'on peut faire beaucoup de choses utiles avec un ballon. Oh mon Dieu, c'est un sac à dos si confortable et si beau! Wouhou! Les astuces sur Internet n'ont jamais eu l'air aussi bonnes! Hé! Hein? On n'a pas fini, ma fille. Tu vas avoir besoin d'un moyen de transport! Avec un pistolet à colle entre les mains, j'ai l'impression de pouvoir conquérir le monde. Peux-tu deviner où cela va nous mener? Moi non plus! Heureusement que j'ai mangé assez de crème glacée pour que cette astuce puisse être réalisée. On les place exactement comme ça. Et on prend d'autres CD. Maintenant, nous allons te fabriquer un panier pour que tu puisses transporter tes affaires. Faisant une petite entaille ici. Et ça, ça va dedans. Tu vois ce super vélo? C'est trop beau! Mais je n'ai jamais appris à faire du vélo! Tiens juste le guidon. Ok, Candy. Tu es prête à y aller? C'est parti! Je me sens un peu mal à l'aise. Je ne vais pas mentir. Tu es capable, ma fille. Oui, viens vers moi. Viens, viens. C'est la liberté. Ma fille, je pense que tu es prête pour les tours. Ne m'arrache pas la tête encore. Oh, j'ai fait ça. Wow. Super. Rapide et glamour. Wow. Stop. C'est le code brun. Oh, le plus petit chien jamais vu. C'est un chiot. Tu es mon chiot. Wouf, wouf. Oh, c'est mignon. Ramenons-le à la maison. Ah, tu promets d'en prendre soin? Je ne promets rien, femme. Ok, allons-y. Yeah! Allez, mon garçon. Il a besoin de nourriture. Je sais ce qu'il nous faut. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ma gorge va bien, mais j'ai une autre idée. J'ai besoin de ce petit truc en plastique. Rendons-le glamour. Ils ont l'air $1 million. Passons maintenant à l'étape suivante, le hachage de karaté. Un pour la nourriture, un pour l'eau. Je suis sûre qu'il sait lire. Une couche de vernis à ongles sur le dessus. Et voilà, petite boule de poils. Oh là là! Nourriture! Super cool! Bon travail, Candy! Mais maintenant, c'est l'heure d'aller au lit! Hein? Quoi? Où êtes-vous, les gars? Les chiens ne peuvent pas dormir dans le lit! J'ai une idée géniale! Ou devrais-je dire, une idée allumette! Comme tu peux le constater, nous avons besoin de ce vide! Faire des choses fantaisistes n'est pas un travail pour moi ou un hobby, c'est ma vocation. Un petit coussin pour le petit chien. Maintenant, rendons le devant de la maison plus présentable. Trouvons-lui une bonne place. Merci, mon amour, je t'en serai toujours reconnaissant. Pour que le monstre ne t'attrape pas. C'est l'heure du bain. Oui, tout le monde s'amuse. Je peux participer? D'accord. D'abord, tu dois faire un maillot de bain. Quelle couleur préfères-tu? Laisse-moi réfléchir. Tu veux ça? Oui, faisons-en un bleu. Cool, mettons-nous au travail. Restez stable et précise les mains. Ça, c'est un haut de bikini chic. Il est temps de faire un bas de bikini. Doucement, Bob l'éponge, je ne parle pas de toi. Les ballons nous sauvent encore. S'ils ne brillent pas, ils ne passent pas le test. Oh, ça a l'air ridiculement bon. On se croirait en vacances? Merci d'avoir pris soin de moi. Et maintenant, amusons-nous un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? S'il te plaît, fais attention. Elle ne sait pas nager. Que quelqu'un l'aide. À l'aide. On ne filme pas un Titanic. Pourquoi suis-je sous l'eau? Je peux aider ce petit bouchou. J'arrive. Waouh!
J'ai même pas fait ça pour ma précieuse chauve-souris. Suis-je un imbécile maintenant? Viens ici, jeune fille, je te tiens. Oui! Oh, tu l'as sauvé! Tu es en sécurité maintenant, bébé. Ah, vous devriez sortir ensemble, les gars. La Batcave n'était pas disponible, mais ceci peut faire l'affaire. J'ai toujours été plus une fille Marvel. Eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Je voudrais une salade, s'il vous plaît. Une salade? Je vais prendre un steak. Un steak? Un steak? Les gars, on n'a rien, alors ce sera une pizza. J'espère qu'elle est mignonne. Coucou! Ah, c'est une poupée poubelle. Ta place est à la poubelle. Hé! Hey, oh non! Barbie, tu as une mine affreuse. Tu dois absolument changer de style de vie. Tu devrais arrêter de squatter dans la poubelle. Allez, occupons-nous de ton relooking. Ne me regarde pas. Waouh, qu'est-ce que tu es poilu? On va arranger ça. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mentholé. Ce produit va te faire briller en un rien de temps. Et des paillettes, je veux dire. Pourquoi pas? C'est joli, non? Un gommage pailleté rien que pour toi. Prête? Ne bouge pas. Mais je... Ça va aller. Interdiction de parler pendant que le masque agit. Visiblement, tu n'as jamais utilisé de rasoir de ta vie. C'est bon, je m'occupe de toi, ma fille. Tu seras bientôt parfaitement lisse. Ok, tu es prête? Et voici une Barbie lisse et sans poils. Regarde tous ces poils qui s'en vont. C'est incroyable. C'est dingue d'avoir autant de poils. Quelque chose ne va pas? Où est passé mon visage? Non, je suis une poupée sans visage. Oh mon Dieu! Je vais arranger ça. Je te promets. Je vais t'en faire un encore plus joli. Regarde. Hein? Tu plaisantes? Le visage du Joker? D'accord. Essayons autre chose. Allonge-toi et détends-toi, tu veux? C'est juste une question de couleur. Je veux te ramener à la vie. Le maquillage est une forme d'art, tu sais? Et je l'apprête à réaliser un chef-d'œuvre. Encore quelques coups de pinceau. Génial, j'adore. Très innovant. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Et tourne-toi. Non, 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 non! Je n'ai pas encore fini. Notre ingrédient magique? Tout moelleux. Un beauty blender! Tu vas voir, ça fait vraiment la différence. On pourrait peut-être que tu vas ressembler à un clown là tout de suite. Mais avec le beauty blender, te voilà reine de beauté. Je crois que j'ai fini. Non, je dois m'occuper de ses lèvres. Quelle couleur tu préfères? Oh là là, difficile de choisir. Celui que là? Excellent choix pour des baisers sucrés et pailletés. Ça te va vraiment très bien. Plus de paillettes, s'il vous plaît. Que ça pleuve, c'est magnifique. Ne regarde pas directement la lumière, s'il te plaît. Maintenant, tout est prêt. Des lèvres pulpeuses pour une poupée pulpeuse. C'est terminé. Tu veux voir? C'est tout simplement adorable. Regarde comme je brille de mille feux. Et plus de cheveux en bataille. Tu es ravissante. Qui cela peut-il bien être? Vous avez une livraison urgente. Veuillez vous présenter à la porte, mademoiselle. J'arrive. Je me demande bien ce que c'est. C'était trop facile. C'est parti pour une redécoration. La chambre de ma sœur manque un peu de couleur. N'oublions pas par terre! Que fait ce gamin? Oh non, personne ne me tient! Je vais tomber! Qu'est-ce que c'est que ça? Barbie! Hé, ne me touche pas! Qu'avons-nous ici? Tu as besoin d'un peu de couleur, toi aussi. Finis les chevets sans intérêt. Laisse-moi tranquille! C'est bizarre. Quoi? Mes murs? Hé, hey, toi! Comment oses-tu? Oh non! Ne me fais pas de mal! Je vais te secouer jusqu'à ce que toute la stupidité soit sortie. Non, mais regarde-moi ça! Combien de marqueurs tu as là-dedans? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je m'en fiche! Tu es méchante. Bon, au moins, il m'a donné une bonne idée. Tu as déjà entendu parler d'heureux accidents? Je vais t'en montrer un. On peut utiliser ces couleurs à notre avantage. Attends de voir ça! Tu es tellement belle en rose. Je me sens très belle en rose. Mes cheveux sont plus beaux que les tiens. Quoi? Oh, mais il te manque encore quelque chose. Je vais ajouter un peu de sucre. Des bijoux à s'en lécher les doigts.
Il suffit d'en passer un à la fois. Tu voulais percer tes oreilles? Voilà qui est chose faite. Ça n'a pas fait mal du tout, n'est-ce pas? Et voilà, tes premières boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. Je ne les enlèverai plus jamais. Waouh, ces boucles d'oreilles sont parfaites. Et l'association de... Oh, qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que je vois? Ces talons sont adorables. Et ce manteau est à tomber par terre. Je veux ressembler à ça. Je m'en doute. Comment faire? Barbie célèbre, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas à la portée de tous. Kitty, tu es plus belle que ta poupée. Qui, moi? Tu es trop gentille. Je ne serai jamais aussi belle que vous deux. Oh non, la télévision. On dorait qu'elle a se cassé. Barbie, s'il te plaît, ne pleure pas. Regarde-moi, je suis un désastre. Ne dis pas ça. Barbie, ne pleure pas. Tout va bien se passer. On va trouver une solution. Hé, hey, tu as besoin d'aide? Je crois que tu peux nous aider. Oui, je peux emprunter ça? C'est si doux, comme de la soie. Vais avoir besoin de beaucoup plus que ça. Voilà qui est mieux. Mets ça, Barbie. Ce modèle devrait aller à merveille. Tu vois? Mais est-ce que je peux la faire tourner? On dirait que oui. Une jupe rien que pour moi. Trop cool. Nous avons réussi. Joli travail. Merci, l'araignée. J'ai été poignardée. Ne bouge pas. Ça va faire un peu bizarre. Enlève-moi ça. Tu es sauvée, tu vois? C'est pour ça que je porte des chaussures. Il est temps qu'on t'en fabrique une paire. Fabricant de chaussures. À la rescousse. C'est juste un pistolet à colle. La colle va former une chaussure parfaite. C'est chaud, n'est-ce pas? Et voilà. Une fois qu'elle a durci, on peut construire le talon. C'est assez haut pour toi? Ne t'inquiète pas, on va les faire briller. Maintenant, on secoue. Et à ton tour d'aller défiler. Je ne veux pas manquer ça. Vas-y, Barbie, tu vas assurer. Ces chaussures, les miennes ne sont pas aussi jolies. Attention, tout le monde. Je suis passée de la poubelle au podium. La voilà. Magnifique. Plus de poils. Juste de l'élégance. Les autres Barbie feraient bien de prendre des notes. Parce que je suis ici pour rester et vous en mettre plein la vue. Et bonne chance pour trouver une Jeep comme la mienne. Elle a été conçue spécialement pour moi. Regarde ça. Une maison de rêve. Quelqu'un a dit maison de rêve? Je suis fauchée, Barbie. Je vois ça. Il faut que je trouve une solution. Ou au moins, je vais faire semblant de chercher. Et regarde. Une minute. Youhou! Regardez toutes ces boîtes en carton. Barbie, Barbie, attends une seconde. Et je... Très bien. Une petite idée maintenant, peut-être? Je sais. Je vais construire une maison avec ces boîtes. Voyons voir, je plie ici. Et je coupe par là. Et voilà. Terminé, viens voir. Tu appelles ça terminé? Il faut des fenêtres pour avoir beaucoup de soleil. Que ferais-tu sans les doigts de maçon? Tu veux vivre dans une boîte sans intérêt? Au travail! C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Une touche de couleur s'impose. Et le rose est toujours un excellent choix. Regarde! Est-ce que c'est une éponge? Si moelleuse. C'est parfait pour le lit de Barbie. Voici la charpente du lit. Ça maintiendra le tout en place. Est-ce que ça n'a pas déjà l'air agréable et douillet? Un lit digne d'une belle au bois dormant. Il faut beaucoup de coussins, bien sûr! Super! Maintenant, ma partie préférée. Un romantique baldaquin. C'est magnifique. Mais je n'ai pas encore tout à fait terminé. Un peu de paillet par ici. Et voici une superbe petite table de nuit. Elle possède même de minuscules tiroirs. Parfait. Mais qu'est-ce qu'une table de nuit sans lampe? Comment lire tes livres sans lumière? Et la partie supérieure. Adorable. Y a-t-il des trombones là-dedans? Parce que j'en ai besoin. Mais pas pour du papier. Peux-tu deviner ce que je prépare? Je te donne un indice. C'est pour ranger dans le placard? C'est ça, des cintres. Pour tes fabuleuses tenues. N'oublions pas un petit tapis douillet. Très agréable pour les orteils. Tu vois? Mais je vois encore du marron. Heureusement, j'ai des restes de papier que je peux utiliser. Ce coin vide est maintenant une piscine. Ne t'inquiète pas, je vais ajouter de la vraie eau. Je dois juste d'abord construire l'extérieur.
Tu as maintenant un peu d'intimité. Très bien. Et maintenant, de l'eau. On dirait une vraie piscine. Un escalier pour te faciliter la tâche. Et je sais que tu aimes toujours avoir un peu d'ombre. Ce jardin est tout simplement adorable. J'adore. Hé, hey, j'ai une surprise pour toi. Tu es prête? Tout ça pour moi. Un lit à baldaquin. Et ma propre garde-robe. On est loin de la Barbie Pouble. J'ai même un jardin. Tu trembles tellement, tu es contente. Non, j'ai juste envie de faire pipi. Est-ce qu'il y a une salle de bain? Quoi? Je suis censée faire où? Par terre? Sérieusement? C'est pas vrai? J'ai oublié la salle de bain, mais je peux arranger ça. Voilà, j'ai juste besoin de ce truc-là. Et un siège pour ce popotin, bien sûr. J'y suis presque. Désolée, j'ai été distraite. Et voilà, tes toilettes sont prêtes. Ça devrait rentrer parfaitement. Oh, Dieu merci. Oh là là, ça va là-dedans? Ça a l'air plutôt puissant. Tu avais vraiment envie. C'est coloré? Les crottes de Barbie sont colorées. Quel soulagement. Attends un peu. On est pads le 7 aujourd'hui. J'ai un rendez-vous ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas prête pour un rendez-vous. Est-ce la Barbie de Tinder? Elle est plus belle que sur les photos. J'aurais dû apporter un cadeau. Des fleurs devraient lui faire plaisir. Comment tu as pu oublier? C'est bon, je vais t'aider, Ken. Il faut toujours apporter des fleurs lors d'un rendez-vous galant. Même si elles sont tout petites. Il suffit de couper ici, mais pas jusqu'au bout. Ensuite, on tord le papier, comme ça. Ensuite, on utilise du fil de fer pour le maintenir en place. Trop facile! On continue jusqu'à ce que ça ressemble à une fleur. Un bouquet! Un peu de papier pour le rendre joli. Barbie va adorer. Tu m'as sauvé la vie. Rien ne va plus. J'espère qu'elle va aimer. Barbie, c'est toi? Pardon? Bonjour, Ken. C'est trop mignon. C'est pour moi? Elles sont bien moins belles que toi. Ce jardin est incroyable. Je pourrais rester ici toute la journée. Qu'est-ce qu'il est ennuyeux dans la vraie vie? Toute cette construction m'a épuisée. Non! Les gars, votre rendez-vous est ennuyeux à mourir! Mais je peux faire en sorte que ce soit un peu plus amusant. Et voilà! Maintenant, où est mon stylo à colle chaude? C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il ne me reste plus qu'à remplir le milieu. Je conseille d'utiliser un motif en zigzag. Bon, j'ai presque fini. Maintenant, dans l'autre sens. Ça te rappelle quelque chose? Ce sont des raquettes de tennis. En d'autres termes, notre remède contre l'ennui. Prête à jouer? J'ai trouvé une balle. Voilà, tout y est. Qui veut jouer? Moi. Sympa! Je n'ai plus sommeil? Montre-moi ce que tu sais faire. Tu es si fort! Je vais chercher la balle. Elle n'a pu aller bien loin. Où est-ce qu'elle est passée? Je t'ai trouvé! Il était temps. Qu'est-ce que tu es, toi au juste? Et tu as de sacrés dents! Je vais juste prendre cette balle. Tout doux! Ne t'inquiète pas. Je ne fais que passer. Vous ne croirez pas ce qui vient de se passer? Attends, une seconde. À qui Ken est en train de parler? D'où vient-elle, celle-là? Personne ne s'approche de mon homme. Non! Je n'en reviens pas. Et je lui ai fait un stupide gâteau. Il ne mérite pas cette gâterie en chocolat. Au revoir, Ken. Nous en avons fini avec toi. Au moins, le gâteau est bon. Tu ne le méritais pas de toute façon. Pas de gâteau pour toi? Non, désolée. Je vais recommencer à zéro. Avec un glaçage bleu cette fois. Ce sera encore meilleur qu'avant. Tu vas avoir. N'oublions pas les côtés. Onctueux comme du beurre. Pas mal. Et pour la touche finale. Jette un coup d'œil à ce design sympa. C'est tellement hypnotique. Maintenant, il est temps d'ajouter de la couleur. Je vais en ajouter sur les côtés. Ces jolies gaufrettes sont parfaites. Tout autour. Et au-dessus?
Un peu de gélatine, peut-être? Hey, on dirait une piscine! N'est-ce pas magnifique? Et l'ingrédient secret est... la vengeance! Oh, Ken! Oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Personne ne s'approche de notre Ken. Les filles, ce n'est pas ce que vous croyez. Dans l'eau bien froide. Maintenant, le gâteau est parfait. Un régal pour l'été. Et on ne la reverra plus jamais. Où est-elle? Ken, tu ne la trouveras pas là-dedans. Je pense qu'elle est allée se baigner. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Quel gâteau! Est-ce que tu as vu ma sœur? Non, je n'ai rien vu. Désolée. Je suis sûre qu'elle va bien. Allez, c'est l'heure du dessert. Délicieux! Laissez-moi manger un morceau. C'est sa chaussure. Ce n'est pas bon du tout. Peu importe, personne n'en saura jamais rien. Bref, vous avez mangé tout le gâteau. Je ne peux plus bouger. Regarde, elle roule sur elle-même. Elle est adorable. On n'a qu'à la garder. Viens ici, petit chiot. J'adore. Vous êtes adorables tous les deux. Je vais vous faire un cadeau. Et je sais quoi faire. Tout d'abord, je vais découper des pailles. J'ai mon pistolet à colle chaude à portée de main. Il suffit d'en mettre tout le long sur le côté de la paille. Ensuite, on la colle rapidement à une autre et on continue jusqu'à ce que ça ressemble à ceci. Tu vois ce petit morceau pliable? C'est pour les coins. Parfait. C'est parti! Maintenant, la barre supérieure. Parfait! J'ajoute ces poutres pour soutenir le tout. Et on obtient une balançoire. Hé, le chiot peut aller dessus. Ça te plaît? Tu es mignonne. Je me sens vraiment chez moi maintenant. Viens, ma chérie. Je peux enfin me détendre. Une seconde. Je sens quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est? Burk! Du caca sur la nouvelle balançoire. Je ne pense pas. Je n'ai besoin que de cette petite boîte. Parfait! Je peins l'intérieur en rose. Même les côtés. Il faut que ce soit une couche bien épaisse. Et voilà! Je mets de la colle sur l'extérieur pour coller une bande pailletée, bien sûr. C'est pour le chiot de Barbie, après tout. Super! Il faut maintenant que je la remplisse de sable. Ce vieux rocher, peut-être? Pas tout, mais un tout petit peu. Une pluie de cailloux. Maintenant que la boîte est pleine, le chiot peut faire 16 besoins. C'est bien! Tu as réussi? Joli travail! Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça? J'ai une parfaite petite pelle à caca. Maintenant, sors d'ici! Trop facile, non? À la poubelle!